la 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 la. Bienvenue chers téléspectateurs pour notre émission hebdomadaire et culinaire. Viens à la maison, viens à la maison, la 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 la, qui chante? Connard, t'es hors champ. Ah pardon, je reprends. Bienvenue chers téléspectateurs pour notre émission culinaire et hebdomadaire. Viens à la maison, viens à la maison, la 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 la, la la la. Alors aujourd'hui, nous sommes chez la famille La Soupe. Oui, la famille de La Soupe qui est expert pour faire de la soupe. Et oui, et alors aujourd'hui, nous sommes reçus par la ménagère, le petit cordon bleu, Madame La Soupe, qui donc nous a concocté une petite soupe. À quoi, madame? Une soupe poire aux pommes de terre. Alors je vois qu'ici, un jeune homme s'affaire. Jeune fille connard! Pardon, excusez-moi. Jeune fille s'affaire, et alors, vous êtes en train d'éplucher cet objet-là, c'est quoi ça? Une carotte. Donc, vous voulez dire que pour faire une soupe poire aux pommes de terre, il nous faut une carotte? Oui! Et alors, il y a aussi cet autre objet. C'est quoi ça? Une tubercule. Donc il faut des tubercules. Un tubercule, pardon. Alors il nous faut une carotte, un tubercule, et quoi d'autre? Alors je vois ça, c'est quoi ça? Alors il nous faut un poireau, une pomme de terre, et une carotte. Alors, jeune fille, ça fait, et nous revenons d'ici quelques minutes pour voir le travail effectué. A tout de suite. Oui, on se retrouve après cette page de pub à notre émission Viens à la maison, où la famille La Soupe nous a préparé une bonne soupe. Alors, une soupe poireaux pommes de terre, donc les poireaux pommes de terre ont été épluchés, vous voyez. Alors, Madame La Soupe m'a dit, rajoutez un peu d'huile d'olive dans le faitout pour commencer. Voilà, un petit peu d'huile d'olive, après quoi on rajoute les légumes, à commencer par les poireaux. Alors, un poireau... Deux poireaux, trois poireaux. Après quoi, on rajoute les carottes. Une carotte, deux carottes, trois carottes et quatre carottes. Et pour finir, le tubercule. Un tubercule, deux tubercules, trois tubercules, quatre tubercules, cinq, six tubercules. Alias patate. Voilà, alors, Madame La Soupe. Maintenant, on va mettre ça sur le feu, à rissoler pendant 5 à 10 minutes. Après quoi, vous rajouterez au moins 1 litre et demi, voire 2 litres d'eau. On se retrouve d'ici quelques minutes. Oui, bienvenue à la maison pour notre bonne petite soupe poire aux pommes de terre que la famille La Soupe nous a préparée. Alors, elle a l'air excellente. Bon appétit! Merci, connard. Madame La Soupe, dites-nous votre petit secret. Je sais que chaque petit cordon bleu a son petit secret. Voilà, je me doutais bien, ce petit goût citronné. Alors, messieurs, chers téléspectateurs, messieurs, mesdames, rajoutez-y une goutte citronnée. Ça vous donne ce petit goût raffiné. Et à la semaine prochaine, et bon appétit, bien sûr! Oui! 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 Oh non! Simon, Alice, à table!